Au cours de la semaine de santé de la mère et de l'enfant, tenue du 23 au 30 octobre 2020, des activités combinées ont été réalisées dans les centres de santé du pays. Il s'est agi de la vaccination des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes, combinées aux consultations prénatales, à la nutrition et à l'hygiène. Toutes ces opérations ont permis de toucher environ 300 000 personnes, y compris les peuples autochtones. La République du Congo a fait au cours de ces années d'importants efforts pour réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans et celle de la mère. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est passé de 117 à 52 décès pour 1000 naissances vivantes au cours de cette même période. Ces actions combinées à l'occasion de la semaine de santé de la mère et de l'enfant font suite au constat sur la baisse de fréquentation des structures de santé par la population en cette période de COVID-19 et qui a pour conséquence directe l'augmentation des différentes pathologies avec pour suite logique la hausse du taux de mortalité. Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 5 ans constituent la couche la plus vulnérable de notre population. Notre politique de santé a toujours mis un accent particulier sur les interventions à haut impact sur la santé de la mère et de l'enfant. À l'issue de cette réunion de restitution des résultats de la semaine de santé de la mère et de l'enfant, un plaidoyer a été formulé à l'endroit des partenaires en vue de soutenir le Congo dans ses efforts visant à protéger sa population contre les maladies.